Mais malheureusement, toi, tu n'es pas gavin. T'as de beaux yeux, tu sais. Oui, mais malheureusement, toi, tu n'es pas gavin. Oui, sans nous. Oui, d'accord. Wow. Alors, jeune homme, on a des ennuis? Oh, on bricole. On va pas plaître là-dessus, c'est encore plus délicat. Tu l'es, moi. Sur la côte, ils me plantent les deux. De toute façon, t'en as que deux. Ouais, merci, je sais. Bonne chance, l'ami. Merci. T'as de beaux yeux, tu sais. Oui, mais malheureusement, toi, t'es pas gabin. Oui? T'as de beaux yeux, tu sais. Oh oui, mais toi, t'es ma chasse. Mmh. Je peux signer si vous désirez. Peux pas. Ah. T'as de beaux yeux, tu sais. Alors, jeune homme, on a des ennuis? Oh, une bricole. Bon, un bon plat là-dessus. Il sera plus celui de qu'avant. Suivez-moi, s'il vous plaît. Si j'ai le coup, il va me demander encore de casser l'autre. De toute façon, tu n'en as que deux. Ouais, merci, je sais. Bonne chance, l'ami. Top. Une conca. Quoi? Seuse. Top. Une conca. Quoi? Seuse. Top. Non. J'aimerais que Francine dise la France quand même. Non. Pourquoi? C'est beau Dieu, tu sais. Oui, mais toi, t'es pas gavin. T'as de beaux yeux, tu sais. Oui, mais toi, t'es pas gavin. Oui. T'as de beaux yeux, tu sais. T'aurais mieux fait de te casser un bras ce jour-là. Le plus vite possible. T'aurais mieux fait de te casser un bras ce jour-là. Ou pardon. Pointilleuse, la nana. C'est une urgence. Ils sont mon père. 1er avril 55. Un bon gag, hein. Ah, vous occupez de lui? Pas. Vous pouvez marcher? Pas. 1er avril 55, c'est un bon gag. T'as mieux fait de te casser un bras ce jour-là. Excuse-moi. Hop, attention. Tu vas?
Il cherche, fais partie. Ben non, moi j'étais là avec rien au jeu parce qu'il était en retard. Thank you.
feu sous lui. Une femme taxi aigrie m'a dit, ça rapporte gros la chansonnette. Le nouvel an, quand j'ai vu plus que d'habitude, me vient la fin d'un carnassier, dans une mélodie simplette. Et attendre en bas de chez toi que quelqu'un chante ce petit air-là. Madame, coincée dans vos embouteillages, essayez donc d'écrire deux pages, ce n'est guère plus long qu'une chanson. Mais faites rimer entre des mots tout bêtes. De grandes solitudes, moi le passant bien protégé par 2000 ans de servitude et quelques clous sur la chaussée. Dans les villes de grandes solitudes, Monsieur Michaud. Bonjour, bonjour, quelqu'un de bon. Mais ça va bien alors. Mais, figurez-vous que nous avons appris que vous étiez un personnage assez extraordinaire dans la région. Et particulièrement, vous connaissez particulièrement la vallée de Joux. Et on nous a dit, Monsieur Michaud, il faut aller le voir. Il a quel âge avez-vous, Monsieur Michaud? Le 90, 90 ans. 90 ans, vous êtes dans votre 91e année. Oui, j'ai pété le sein. Extra. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans la région? Quelle est votre occupation? Oh, ben, vous savez, à cet âge, on fait plus grand-chose. Hein? Allez pas trop vite. Voilà. Thank you.
plat. Donc la neige, vous dites qu'elle ne produit pas d'eau. Que oui. La neige, mais pendant l'hiver, elle ne fond pas, hein. Voilà. Quand il fait froid. Bien sûr. Alors c'est pour ça qu'il y a des gros puits, hein. Qu'est-ce que vous avez comme confort à l'intérieur de chez vous? Oh ben, j'ai une salle de bain. Salle de bain? Oui. J'ai ma cuisine, j'ai trois, quatre chambres. Ah bon, qui sont vides naturellement? Hein? Qui sont vides? Ouais. Elles sont vides, c'est que mes enfants viennent, hein, de temps en temps. Ah, ils viennent de temps en temps. Oui, alors il y en a qui couchent, hein. Voilà. Mais comment se fait-il que vous soyez syndic de la France? Je suis pas syndic, mais on m'a baptisé le syndic de la France. Parce que j'étais tout seul, hein. Vous étiez seul. Hein? Vous étiez seul. Oui, pour dire pendant l'hiver, hein. Et puis, comme je suis bien avec tous les vacanciers, hein, c'est moi qui en ai la responsabilité du coin. Hein? Naturellement. Thank you.
Coquetingo. C'est le Coquetingo. Coquetingo. Oh, oh, préparez-vous le Coquetingo. De pas en avant. Pas trop, hein. Coquetingo. Coquetingo. Comment danser le Coquetingo? Coquetingo, oh, sans changer de cavalière. Oh, préparez-vous au Coquetingo. Deux pas en avant sans changer de cavalière. Les mains sur la tête pour pas tenter les vingt-terres. Tiens, tiens, se dit-il. Il y a une petite odeur de poulet derrière ce balcon. Tiens, tiens, se dit-il. Il y a une petite odeur de poulet derrière ce balcon. Tiens, tiens, se dit-il, il y a une petite odeur derrière ce balcon. Oh, puis il y a que c'est un bébé. Elle ne veut pas venir. Thank you.